Bonjour à tous. Alors les filles, qu'est-ce que nous allons préparer aujourd'hui à manger? Des gâteaux cupcakes. Et avec du chocolat. Avec un fourrage au Nutella. Ça va être trop bon. Alors, on va commencer par les ingrédients pour le gâteau. Qu'est-ce qu'il nous faut pour préparer déjà le gâteau? Alors, il nous faut 100 g de sucre, 100 g de farine, 2 œufs, du Nutella pour le fourrage des cupcakes, 100 g de beurre et de l'extrait de vanille. Ce n'est pas obligatoire. C'est toujours des 100 g. Oui, c'est toujours un peu du 100 g. Hein. Ça fait du 100 g. Alors, par quoi va-t-on commencer? Donc, on va commencer à préparer le sucre, donc c'est-à-dire à mélanger le sucre avec les œufs. Où est le sucre? Là. Très bien. Où sont les œufs? Là. Bon, c'est très bien. Je vais les casser pour éviter que les coquilles, que nous mangeons des cupcakes aux coquilles d'œufs. Je vais casser les œufs et vous allez remuer à tour de rôle. Une coquille? Non, c'est pas une coquille, ma chérie. C'est quoi? Oh, je sais pas, c'est l'œuf, hein, ça fait partie de l'œuf. Voilà. Et voilà. Je vérifie s'il n'y a pas de coquille, mais il n'y a pas de coquille. Je mélange. Tu vas mélanger. Allez, vas-y. J'ai pas fini de mélanger. Allez, fais faire un petit peu à Loubi. D'accord. Chacune son tour. Allez. Non, mais c'est moi. Non, vas-y, après ce sera à toi, si ça t'inquiète pas. Ouais, tu pourrais faire à ça. Bah après c'est à ça, bien sûr. Après c'est moi, c'est avec la femme. Ça allez, tu fais passer ton tour à Assia. Allez, remue bien. Prends le, voilà, le sucre qui n'a pas été pris et remue bien. Allez, allez. Ouais, faut aller, On va déguster. Tu dégusteras quand ce sera chaud. C'est bon? Fais voir Assia si tu veux, je vais finir. Laisse tout ça c'est dedans. Coulant. Parce qu'il faut que ça fasse vraiment une préparation. Parce que c'est en train de les mains dedans. C'est en train de les mains dedans. C'est collant. Et après, quand on va remplir les gâteaux, ça va être trop cool. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça, c'est pas très grave. Ouais. Le principal, c'est qu'il faut que ce soit bien remué et lisse. Et bon. Et bon, bien évidemment. C'est pas grave. Ça se nettoie des mains, non? Ça se nettoie pas? On le met là comme ça. C'est moi qui fais ça. Et pouf! C'est mal, non? Comme ça me fait penser quand je prépare une omelette. Ça bouge des feux. Trop vite. Hop. On touille, 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 on touille. Il y en aura assez pour les gâteaux. Hop. Ça me paraît pas mal. Ensuite, je vais faire fondre le beurre et l'incorporer au micro. Au mélange. Ouais, on va le Donc,
Nous allons maintenant mélanger le beurre fondu à la préparation pour faire des gâteaux cupcakes. Je le fais ? Non, c'est Loubna. Ah oui. Hop, je te le verse, Loubi. Et tu vas pouvoir remuer. Le deuxième, c'est qui ? Donne le plat à ta sœur. Tout doucement, Loubna, tout doucement, parce que ça va devenir liquide. De manger. Pas comme ça. Non, non, c'est non, faut aller doucement. Et voilà, tourne. Voilà, c'est mieux. Après ça. Je vois qu'il y a des petites gourmandes. Hein. C'est qui d'abord, hein? À ton avis? C'est moi. Toi? Il n'y en a pas d'autres, des gourmandes? Ah, si, il y en a. J'ai trois gourmandes en face de moi. C'est toi, la maman. Vous savez que nous, on n'est pas là. Ma maman mange tous mes bonbons. Et il y a un gros vent de corne bidouille. J'aurai un gros vent comme corne bidouille. Corne bidouille. Et vous avez une grosse tête. Et des cheveux pleins de cheveux de verre de terre. Oh. Ah, t'as tout mélangé. Maman, c'est tout à l'heure. Avec du cacaboute dans les cheveux. Ensuite. Nous allons mettre la farine et la mélanger jusqu'à obtention d'une pâte assez liquide. Et après moi, je mets... Non, on va faire Assia parce que c'est toi qui as démarré, donc oui, Assia va finir avec deuxième, ça. Parce que Assia était la deuxième. Si tu veux. Alors, je vois que vous êtes un peu embêté avec vos mains qui collent. Donc, je vais vous trouver de quoi vous les nettoyer. C'est super chouette de faire le gâteau. Oh non, c'est pas très bien. Attends, hop, hop, non, ramasse, fais pas. Et j'en ai pas, moi. T'en as pas, prends-en une à ta soeur, c'est pas... Tiens. Mets ton cheveu derrière les oreilles, s'il te plaît. Tu passes le plat à Sia pour qu'elle puisse mettre la farine. Et mets le moins. Je suis la deuxième. Alors... Non, attends, deux secondes, s'il te plaît. Alors, on va incorporer la farine. Allez, vas-y, Assia, je vais t'aider. Commence à remuer et moi, je vais la mettre tout doucement. Il faut pas mettre tout allez, en remue, même temps. Allez, remue, ouais. Faut pas que ça fasse des grumeaux. Tu prends pas les trucs qui remuent? Non. Ça sera pour le glaçage que je vais prendre le batteur électrique. Allez, faut pas que ça fasse des grumeaux. C'est à moi après. Et après, c'est à moi. Non, allez, après, c'est à moi. Et après, c'est à moi. C'est quoi les grumeaux? C'est des sortes de petites boules que l'on trouve quand on fait la pâte. C'est pas agréable. Hein. Oui. Ça forme des petites boules de pâte. Ouais, je vois ça. Faut en laisser. Je fais un peu pour bien mettre les filles. Pour vous les filles, c'est un peu compliqué. On va faire le glaçage ensemble, on va faire les moules ensemble. Ne vous inquiétez. Après, à la fin, si tu veux, je veux bien vous remuer. On va faire le grand. Mais c'est vrai que là, je veux pas que ça crée des grumeaux. Ça sera un peu dommage. J'ai trop envie de faire. Allez. Moi, est-ce que je pourrais essayer? Après, oui, enfin, à la fin, mais pas avec la... Oh. J'y arrive comme ça. Aussi. Attends, faut pas faire deux... Oh. Je renverse, non, non. Appareil. Je fais doucement. Les appareils. On dirait les mixeurs. Je suis un mixeur. Non, je veux vraiment pas que ça fasse des grumeaux. C'est pour ça que vraiment j'insiste. J'insiste sur le fait de moi-même remuer pour... parce que j'ai un petit peu plus de force. Mais tu en même temps, c'est pas grave. Non, bah justement, faut pas tout mettre en même temps pour éviter la création de grumeaux. Dis-moi, ça va faire des grumeaux. Oui. Enlève tes doigts. Tu veux que je te mette la farine? Non, c'est bon.
C'est bien parti là. Aucun grumeau. Ça serait dommage. Oh, c'est pas bon, c'est que de la farine. Et après, oh, cette, avec cette pâte, nous allons faire les gâteaux cupcake. Et ça va quoi être là? Je commence à faire le glaçage. Ouais, on va faire une autre. On va faire autre chose avec le glaçage. On fait le bas du gâteau. On fait le gâteau. On fait la base, le gâteau, et après on fait la décoration dessus, c'est à base de le glaçage. Une tête, ouais, toute la force. Attendez. À nos forces, à toutes les quatre, hein, on va y arriver. Hein. On va arriver à faire des bons cupcakes. Ça sent bon. Arrête, il y a pas de petits trucs chauds. Je suis en train de faire une gadouille. Une pâte assez belle quand même. Hein. Et voilà. Elle est belle. Une super jolie pâte sans grumeaux. Tu vas la mettre dans ma main. Attends. Allez, remets un petit coup, vas-y. Après ça va. Oui, chacune. Parce que j'ai dit, moi je suis la deuxième. Non, je suis la troisième. Ce n'est pas. Après ça va. C'est mignon. Merci. Après ça va. Tu l'as fait des fois, toi. On peut espérer que tu l'as fait des fois. Alors les filles, hein, ça avance cette super préparation de cupcakes. Ouais, ça va. Regardez, j'arrive à mélanger. Ça va être bon. Oh, j'ai un bonhomme. Bon, et bien nous allons pouvoir les mettre deux dans les moules. Hein. J'ai vu à cet effet. Ah, c'est dur. Voici les moules. Je vais les mettre dans ce. C'est quoi ça? Récipient. C'est pour faire les cupcakes en fait. Voilà, je vais mettre ma préparation dedans et puis je vais après ensuite refermer. Et on va appuyer dessus pour faire les cupcakes. Ce sera plus facile pour vous. Alors attendez, je vais le mettre dedans. Tu veux que je le mette? Non, je ne sais pas comment je vais faire pour le mettre. Ouais, je vais en mettre pas. Parce qu'avec la cuillère. C'est difficile. Oh, c'est fort. Non, mais encore, ça coule. Il y en a. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que je mette tout dedans. Est-ce qu'il faut que ça soit rempli à bord? Non, ça va pas tout remplir le. Il n'est pas obligé. Maman. Et voilà. Obligé, que ça soit des cupcakes. Moi, c'est ma préparation. C'est moi. Maman, c'est moi. Dans ce tube, je vais retourner le tube. Je vais essayer dans un premier temps moi d'en faire un, voir si ça fonctionne correctement. Moi je prends trois. Moi aussi. Moi je prends le bleu, le rose et le blanc. Moi. Voilà. Moi je prends lui. Le mien, j'ai envie de lui mettre une petite touche de Nutella. C'est le mien. Toi, tu feras ce que tu veux avec le tien, mais là, je suis en train de faire, décider de faire le mien. Je vais mettre ma petite touche de Nutella. Si, elle veut bien descendre. C'est moi après, maman. Voilà. Moi, c'est ça. Mon gâteau est prêt à être enfourné. Voilà, je vais mettre du Nutella. Attends, mets-le bien, fais voir. Hop, arrête. C'est lui son gâteau. Le gâteau. Bah quoi, il est super joli ton gâteau. Ben oui. Allez, à mon tour. Attends. Tu vois, tu mets aussi une noisette de Nutella. Vas-y, ben mets une noisette de Nutella. Non, non.
Toi, non. J'ai pas envie. C'est trop là, hein. Mais bon, essaie de faire avec ton doigt. Ça va normalement se tout seul. Oh, voilà. Un tout petit peu. Et après, tu recouvres avec ta crème. Une crème? Oui, il est tout sous couleur. Oui, allez. C'est pas... Oh, t'as le kiki. Je sais même pas si on va en avoir assez pour les neuf. On va faire un deuxième. Celui-là, on va le faire sans Nutella. Moi, je ne veux pas de Nutella dedans. Ceux du milieu. Moi, je veux faire du Nutella. Toi, tu veux faire avec du Nutella? Moi, je veux lui. Moi, je prends lui. Vous en faites un chacune. Je vais faire le reste, moi. Attends. Ça, c'est pour moi. Vous allez en faire un chacune. Et puis, oh là là. Mais oui, c'est bien ce qui me semblait. Je n'ai pas l'impression qu'il va y en avoir assez, les filles. Mais si, il y en a beaucoup. Vas-y, fais-le, Alia. Vas-y. Les trois, c'est à moi. Non, non. Alors, pour les dîmes, attends. Attends, je vais. Après. Il faut, ça, au moins vous en... il faut au moins vous puissiez en faire un chacune, parce qu'autrement, c'est pas cool, là. C'est bon. Il est bizarre. Il est bizarre, ça. Tu veux faire comme ça, toi? Sans Nutella ou avec Nutella? Sans. D'accord, Loupi, à toi. Maman, on va faire avec du Nutella. Vas-y, déjà, fais ton nom. S'il vous plaît. Arrête de péter les neuf. Oh, mais tu pètes. C'est mal à rire. Et voilà. Il fait. Super. C'est vite, hein. On est la crème fraîche. Après, ça c'est pour le pro. Mais ça prouve. Allez. Allez, arrête de péter. C'est pas moi. Arrêtez. Oh, bah dis donc. Tu regardes comment il est sur le gâteau. Il est bizarre. Eh ben, il vous en faut peu, hein. Bah, ou alors, on peut en faire un autre. Oh, il y en a. Non, je sais pas. Il y en a. Oh! Arrête de péter! Oh, les filles, s'il vous plaît, ça suffit là, c'est pas très fort. C'est vrai, pour remettre les mains dedans, les filles? Non. Ils sont trop bons! Fais ça, pour le on va arroser ta main. Et de vous demander de chier. Arrête! Mais arrête de péter! Ça, regarde ça! Ça, on l'arrête, c'est pas marrant! Ça explose. Et elle sert rien sur le gâteau, Lina. Il y a le chocolat qui dépasse. Oh, il y a des petits bouts de bébé. C'est bon. Mais... Non, on dirait la mayonnaise. Oh, il y en a. Allez, regarde ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il regarde ce qu'il y a? Ah, il est méchant. Oh. Regarde ma coquine, tiens. Et l'autre? Voilà, nos cupcakes sont prêts à être enfournés dans le four à 180 degrés pendant 13 à 15 minutes. Voilà, voilà. Donc, une fois les cupcakes chauffés et refroidis, parce qu'il faut attendre un petit peu, hein, faut pas mettre directement le glaçage sur les cupcakes chauds. Nous allons maintenant préparer le glaçage pour mettre en décoration sur nos super beaux cupcakes. C'est parti! Nous allons tout d'abord
fouetter la crème épaisse pendant quelques secondes. Alors, ma crème est ici. Je prends une cuillère et je vais mettre ma crème fraîche épaisse dans le récipient pour pouvoir la fouetter. Alors, pendant quelques secondes. Et voilà. Nous allons. Pour la mélanger. Hein? Pour la mélanger. Voilà ma crème épaisse que je vais fouetter avec le batteur électrique. Hop. Et voilà. Alors ça, je préfère le faire parce que bon, je vais partir. Voilà, ça me fait un peu plus épais. Ensuite, je vais ajouter la crème liquide. Alors, je n'ajoute pas tout le petit paquet, mais je n'en prends que la moitié, c'est-à-dire 10 centilitres. Je vais le faire, les filles, si ça vous pose pas. Hop. Parce que j'ai pas... Ça sent bon. Voilà. Puis, je vais rajouter, donc, Gracia, si tu veux nous mettre le sucre glace. Oh, je vous le mets, voilà. Tu peux le toucher? Elle l'a mis. Nous allons ensuite, après avoir ajouté le sucre glace, rajouter le gentil fixe. Pour faire tenir la préparation. Non, je vais le faire. Est-ce que c'est plus clair? Il ne faut pas mettre tout le paquet, il faut juste mettre la moitié. Il faut regarder. Oui, pour les prochaines fois. Si on fait des cupcakes, nous en aurons d'autres. Et maintenant, nous allons pouvoir une nouvelle fois mélanger. C'est ça. Donc, une fois le glaçage terminé de battre, j'ai rajouté un petit peu de l'extrait de vanille. Voilà. Je vais maintenant séparer en deux récipients mon glaçage pour pouvoir apporter donc un petit peu de couleur. Je vais faire juste deux couleurs. Qu'est-ce qu'on fait, les filles? Rouge et bleu. Alors, on fait une petite partie. Hop. Une petite partie rouge et une petite partie jaune. Alors, c'est jaune? Pourquoi jaune? Je sais pas. Qui c'est qui m'a dit jaune ou bleu? C'est deux couleurs. Ah, j'ai envie d'avoir jaune. Moi, j'ai envie d'avoir jaune. On va mettre un petit peu de colorant bleu. Et ça va se transformer comme par magie. Et c'est des belles magies, surtout pour mettre beaucoup. Ah bon, bon. C'est de la chantilly? C'est de la chantilly? Non, c'est du glaçage, Alia. Et on va le mettre sur le cupcake. Ah, tu pourras mieux le faire. Moi, j'ai pas envie. Je vais mettre le rouge. Le rouge est où? Super. Et là, nous allons mettre du rouge. Mais non. Oui, hop. Je vais mélanger. Oh. ça peut s'enlever? Oui, bien sûr que ça peut s'enlever. Hop, on a fait la préparation. S'il te plaît, peux-tu m'apporter une cuillère? Bien sûr. On dirait de la peinture aussi. Hein. Comme ça. Alors, je vais le mettre dans les douilles. Pour les mettre sur les cupcakes. Si tu veux que je mélange. Je vais le faire si tu veux bien. D'accord.
beau. Ah, c'est joli, hein, du bon, hein. Ça devient rouge. Alors, je vais les essayer. Je vais les bien essayer. Je vais les mettre dedans. Un petit peu plus compliqué parce que le... ouais, c'est un peu plus petit. Alors, ça met du temps. Tu prends une grosse cuillère, tu peux... Mais je peux pas. Quand je mets la grosse cuillère, c'est... Voilà ça, là. Okay. Après, ça me fait, voilà, ça me fait ce que je sentais. C'était un petit bouchon. Merci. Je sais pas, tu vois, de... Hop. On va bien arriver à le mettre dedans. Là, si ça est vert, tu mets du jaune. Hein? Avec le vert. Voilà, j'ai compris ce qu'il me faut, ça marche. Je sais pas s'il faut les manger maintenant ou je pense qu'il faut les mettre un petit peu au frais quand même. Hein. Mm. Je pense que si. Hein. On va essayer avec ça déjà. C'est chaud. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. Mes cocktails. Oh, c'est trop magnifique. C'est bien. Moi, t'as vu le dur animal. Tu peux faire l'autre. Tu veux que je le fasse? Oui, l'autre. Celui-là? Moi, non, pas lui. Lequel? Celui-là. Non, mais c'est à moi. Parce que moi, j'en ai deux. Je crois. Mais ça, c'est à moi. Ah, c'est dans ma trompe. Et lui-même, dans ma trompe, moi, j'en ai deux. Non, c'est parce que moi, tu n'en avais plus assez. C'est à tout le monde lui mange. On mangera tous la moi, même chose. Moi, j'en veux pas. Voilà. Donc, Alia, je te laisse tout doucement décorer avec ça. Bien évidemment, tu n'en mets pas beaucoup puisque ce sera immangeable. Moi, je n'en mets pas. Là, nous prenons de la décoration pour décorer nos cupcakes. C'est moi qui le fais. Donc, il y a différents types de décorations. Ils sont très jolis, d'ailleurs. Voilà. Je vais les... Lequel que tu prends déjà? Rose comme ça? J'en ai quelques-unes, tu les poses dessus tout doucement. En tout cas, moi j'en veux pas. Voilà. Tu peux en goûter? Oui. Je peux mettre le rose ici, Daniel. Alors le rose, je vais t'en remettre, mais il va falloir faire du bleu quand même. Attends, je t'en remets. Je vais faire un côté bleu avec le rose. Moi j'en veux pas. Oui, t'en mets dessus. Moi j'en veux pas. Ah, c'est joli. Mais c'est bleu. On a compris, mais il faut mettre de ça dessus. Ça s'appelle des cupcakes. Oh, non, non. Ah bah si, Louis. Mais j'aime pas. Mais si. C'est de la nature. Non. En tout cas, ça c'est mon cupcake. Eh bah, tu gardes que celui-là, mais les autres, je les décore quand même. C'est plus joli quand c'est décoré. Mais arrête de crier, petit Félix. Hop. Allez, tiens, je te laisse ça. Tu fais attention, n'appuie pas trop fort, hein. Moi, je vais faire un petit peu de bleu. Fais attention, elle décore bien. Ne nous en mets pas trop, c'est trop joli. Tu fais ça. Je vais encore goûter. Trop bien. Mais non. Je vais mettre ça. Non, je mets ça, je vais le calmer. Ah, ça va. Voilà. Je vais voir avec ça ce que ça donne déjà. Alors, des petits chocolats. Je vais les goûter à mon gâteau. Voilà, je vais faire des petites pépites comme ça. Tu peux faire une fille. Voilà, comme ça. C'est bon, je fais rouler dans ma voix. Allez, c'est bien. Merci de me laisser fini, mon cher. C'est lui à qui? Moi, c'est bien. Sympa à faire, hein? Là aussi. Je vais faire le bon, c'est trop beau. C'est trop mignon. Faut pas en mettre beaucoup. Après, des petits chocolats. Je me dis bien. Tiens, lequel? Attends, on n'en met pas. On n'en met pas beaucoup, s'il vous plaît. J'en ai pas. Ça sera un mangeable. Ça, c'est moi. Attends, mais Loubi, faut. C'est toi qui décore, c'est moi qui m'en mets.
Moi, je m'en vais toute seule, maman. Mais en pas trop, Alia, parce qu'après, c'est pareil. Pardon, j'ai besoin d'une décoration. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre cette fois? Les chocolats, les blés. Hop. Non mais mets pas tout, ça va être immangeable. C'est top. Tu veux dire quoi, mangeable? Ça va pas être agréable à manger. Stop. Mais je sais ce que je mets, je sais ce que je mets pas. Je n'ai plus ma spécialité. Alors. Je peux m'en servir d'autres. C'est bien que ce soit de couleur, c'est tellement plus joli quand il y a plein de couleurs. Ah bah le mien aussi. La sérénia. Les Luna, mais il est beau. Donc je vais me rapprocher pour vous faire montrer comme c'est super joli ce que les filles sont en train de faire. Maman, c'est des plus beaux cupcakes. Elles sont en train de nous faire de magnifiques cupcakes. Moi, je fais ma spécialité. Et après, les filles, qu'est-ce qu'on va faire de ces cupcakes? On va les manger. Mmh. Miam, miam, miam. Eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé faire les cupcakes. C'était très agréable. Sayonara, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus et abonnez-vous à notre chaîne. Mais n'oubliez pas de mettre des pouces bleus et abonnez-vous à notre chaîne. Merci à tous, à très bientôt.